Bonjour à tous, bienvenue sur Ivoire TV 5. Pour ce nouveau numéro de Vie de Star, nous accueillons un grand comédien. Il s'agit de Yoda Lebon. Bonjour Yoda Lebon. Bonjour. Voilà, qui est Yoda Lebon? Qui est Yoda Lebon? Vous avez des questions bizarres. Yoda Lebon, c'est moi. On sait que c'est toi. Ah, sinon c'est moi. On voudrait savoir, à l'état civil, qui est Yoda Lebon? Ah, c'est maintenant que vous parlez français. Sinon, à l'état civil, Yoda Lebon, c'est Issifou Yoda. Voilà, c'est un nom qui est vraiment choco, quoi. C'est pas choco, d'ailleurs. Voilà, je suis Yoda Lebon, à l'état civil, c'est Issifou Yoda, né à Boafli, dans la région de la Marawi. Pourquoi vous avez choisi la comédie? D'abord, pas parce que j'ai choisi, la comédie s'est imposée à moi. Ouais, parce que dès le bas âge, c'est ce que je faisais dans les kermesses, à l'école primaire. Je suis arrivé au lycée, c'est la même chose encore dans les kermesses, les baratoscopes du quartier, tout ça. Donc, je peux dire que la comédie s'est imposée à moi et puis je ne pouvais plus me défaire de cela. Ouais. Mais étant jeune, c'est ce à quoi vous aspirez ou ce n'était pas votre premier choix? Bon, c'était pas mon premier choix. Pourquoi votre premier choix? Mon premier choix, c'était, comment on appelle, faire des études en anglais. Voilà, c'était mon premier choix. Anglophone, venez nous tuer en anglais, quoi. Effectivement, mais et puis j'ai pas raté cette vocation, puisque j'ai fait l'anglais à l'université, après une licence, et puis je suis parti. Voilà. Vous avez joué dans plusieurs séries, comme Coup Commune. Comment vous êtes arrivé à ce niveau? Bon, il faut dire Coup Commune... D'abord, en parlant de Coup Commune, il faut déjà saluer un grand monsieur qu'on appelle Koro Abou. Voilà, le général Wang Gam, le général dictateur, c'est celui-là même qui m'a ouvert ses portes à Koro Production et puis c'est parti. Un jour, il m'a demandé, est-ce que tu aimes lire? Il dit, oui, j'aime beaucoup lire. Et ainsi, il m'a dit, si j'aime lire, c'est que vraiment, apprends à lire la Bible. Parce qu'on va te donner un rôle de pasteur où tu vas vraiment incarner le rôle d'un pasteur qui sera incompris. Voilà, un pasteur qui va vouloir évangéliser les gens, mais qui sera toujours incompris. C'est ça le rôle du pasteur Yoda Lebon. C'est pourquoi aussi le nom de l'église du pasteur Yoda Lebon dans Coup Commune est vraiment mythique. L'église internationale Jésus est là. Dès que tu arrives, tu vois Jésus en face de toi. Voilà, et tes problèmes sont résolus. Sois bénie, ma fille. Amen. D'accord. D'où ce nom Yoda Lebon est venu? Bon, d'abord, Yoda, c'est mon nom. C'est le nom de... Lebon. Lebon, c'est mon nom blanc. Quoi? C'est mon nom blanc, c'est mon nom français. Voilà, parce que j'adore la France. Oui, j'adore la France. Surtout les noms français. Bernard le con. Ça te dit quelque chose? Bernard le quoi? Le con. Albert le mouton. Albert le mouton. C'est le nom de qui? C'est les noms français. C'est vraiment génial, quoi. Donc j'adore les noms français. Donc j'ai pris le bon pour ne pas dire le con, donc c'est mieux. Ok, vous avez participé au Parlement du Riz. Parlez-nous un peu de cela aussi. Oh, le Parlement du Riz, j'ai lâché du coq. Oui. J'ai lâché de poule. Bon, moi, c'est j'ai lâché du coq. Parce que quitter dans ton village, tu as vu, dans ton petit théâtre que tu es en train de faire là, arriver à Abidjan, essayer de professionnaliser cela, et puis te retrouver parmi des gens que tu admirais durant, tu vois. Je ne sais pas comment, mais ça a été vraiment une très très belle expérience. Et je dis vraiment merci à Gondwana City Production. Je dis merci à toute l'équipe du Parlement du Riz, au Gondwana City. Je dis merci à Maman, à toute l'équipe. Merci beaucoup. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez commencé la comédie? Les difficultés? Bon, d'abord, il faut dire, quand on parle de difficultés, déjà c'est la répétition. J'ai eu beaucoup de difficultés dans mes répétitions parce que il faut dire que avec Koro Abou, si tu n'es pas à la répétition deux fois, tu es renvoyé. Bon, pour ne pas dire, faut parler comme lui, tu es viré. Voilà, donc ça fait que chaque jeudi, il faut faire tout possible pour être à la répétition. Pourtant souvent, là, tu sais, souvent les moyens financiers, comment faire le transport parti et puis te retourner encore la nuit vers 23h. Donc c'est difficile. Je peux dire que ce sont les moments les plus difficiles. Sinon, à part ça, le reste, ça va. Il n'y a pas eu de difficultés au niveau des parents,
Non, pas, même pas ça. Mon papa déjà, il aimait ce que je faisais. Et puis, malgré que je suis musulman, mais les gens lui disaient, ah mais ton fils en train de jouer un rôle de pasteur, est-ce qu'il ne va pas devenir chrétien, comme ça. Mais je lui ai expliqué, ah vraiment papa, c'est un rôle que je joue, c'est pas la réalité. Donc il m'a compris, sinon il n'y a même pas eu de difficulté à cela. Voilà. Sinon s'il y a des difficultés à cela, s'il envoie l'enfant, il ne va pas prendre. Ok, à part la comédie, qu'est-ce que le docteur Yoda le bon fait dans la vie? À part la comédie, Yoda le bon est étudiant. En quoi? En cinquième année d'ingénierie, communication, marketing, publicité, dans une grande école de la place. Après une licence en anglais à l'université Félix Fouébouin de Cocody, bien sûr. Okay. Dans le domaine de la comédie, quelles sont, comment je vais dire, les personnes qui vous inspirent tout? Bon, les personnes qui m'ont beaucoup inspiré dans le domaine de la comédie, il faut parler déjà de Basket Manf. Basket Manf, c'est le meilleur stand-upper nigérien. Voilà, Basket Manf, si, en tout cas, il m'a beaucoup inspiré. Ce monsieur, il est très drôle. Voilà, et puis encore, le temps, les guignols d'Abidjan avec Gohou. Voilà, avec Nas, tout cela, les guignols d'Abidjan, ça m'a beaucoup capté. Donc, ça fait que je peux dire que ce sont ces personnes-là qui m'ont beaucoup amené encore à travailler dur pour atteindre ce niveau. Envisagez-vous un moment de laisser la comédie pour faire le métier dont vous suivez le cursus? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous envisagez un moment de laisser la comédie pour suivre un autre? Non, je pense pas. Parce que dans la comédie, mais il y a plusieurs branches. Voilà, je ne suis pas allé faire un cycle ingénieur pour rien. Voilà, parce que je sais. Pourquoi je n'ai pas fait ça dans autre branche? Tu vois, en génie civil par exemple. Mais je l'ai fait dans le domaine de la communication, le marketing et publicité. Parce que je sais que là-bas, la comédie aussi peut s'introduire. Et puis, pourquoi pas avoir des projets, pourquoi pas avoir une structure à moi-même et puis gérer en même temps tout. Parce que c'est de là, je peux dire déjà que je tire aussi mon expérience sur les magiciens, le groupe Magic System par exemple. Enfin, ils ne se sont pas limités seulement aux Zouglou, mais ils ont étendu leurs cotes en faisant quoi? En créant, c'est comme une société à eux, une entreprise à eux, mais que le Zouglou même bouffe dedans. C'est comme ça, au fait. Vous pouvez nous parler des moments qui vous ont marqué durant votre parcours de comédien? Oh, j'ai lâché le coq. On dit chair de poule. Ok. Les moments qui m'ont marqué, il faut dire déjà, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le jour que le magnifique m'a appelé pour me dire que je joue dans son spectacle. Ah, chez le docteur Mouriba. Au cabinet chez le docteur Mouriba, je ne peux jamais oublier ça. Ouais, ça a été ma plus grande scène. Et puis encore, ça a été vraiment une grande découverte pour moi. J'ai fini de jouer, les gens m'ont apprécié. Jusqu'à lui-même, il m'a apprécié. Il a dit, ah petit, tu es humble, tu es comme ça. En tout cas, vraiment, je peux dire que c'était le plus beau moment que j'ai vécu dans mon domaine. Ouais. Merci au magnifique. Voilà, on va dire merci au magnifique. Ouais. Voilà, chapeau, big up. D'accord. Yoda le bon est-il marié? A-t-il des enfants? Voilà. Je suis un électron libre. Voilà. Oui. Sans enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Bon, on fait comment les enfants? C'est ça le problème. Bon. Il demande, on fait comment les enfants? Répondez-lui en commentaire. Ok. Quel message vous pouvez passer à cette nouvelle génération qui voudrait aborder le pas de la comédie? Je veux dire déjà, il faudrait qu'ils soient humbles. Voilà, ils n'ont qu'à être humbles. Parce que dans la vie, tu ne peux pas atteindre le sommet sans être humble, sans respecter les aînés, et puis encore sans prendre ton travail au sérieux. Voilà, il faut accepter de travailler, il faut accepter les critiques, il faut genre, parce qu'aujourd'hui la jeunesse, les gens aiment la facilité, est-ce que qui va m'appeler pour un gombo, il va me donner l'argent, non, il y a des sacrifices, dans chaque métier a ses sacrifices,
il faut accepter cela. Voilà. Aujourd'hui même, il y a beaucoup de canaux où les gens ils peuvent se faire connaître, même encore plus, il y a les réseaux sociaux et tout ça. Oui, il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont différents des scènes. Parce que un homme peut. Les vidéos que les gens font sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos qu'on fait couper, on fait reprendre jusqu'à on fait des montages. Ça réussit depuis on fait. Mais quand tu es sur une scène, il n'y a pas fait de couper et puis tu as reprendre. Non. Donc c'est pourquoi l'apprentissage, c'est bon. Et puis, il faut se former. Sinon, quand on te dit que tu es bon sur le net, tu es fort sur le net. Hein? Mais on te prend maintenant dans une manifestation, mais dans un spectacle, on te met sur scène, tu es perdu. Parce que là-bas, il n'y a pas fait de couper, de reprendre. Le public est là pour. Ils ont payé leur ticket, c'est pas pour venir regarder tes trucs. Hein. Voilà, tu es coupé, reprendre. Donc, il faut vraiment accepter la formation, il faut se former, il faut travailler dur et puis atteindre le sommet. Les émissions télé, où est-ce qu'on peut retrouver Yoda Le Bon? Bah, moi, on peut retrouver Yoda Le Bon sur Ivoire TV5. Voilà, sur la chaîne d'Ivoire TV5, on peut retrouver Yoda Le Bon sur son YouTube, Yoda Le Bon humoriste. Et puis sur ma page officielle, Yoda Le Bon officiel. Voilà, sur Facebook, là-bas, vous pouvez me voir. Et puis si vous voulez me voir, voilà, sur Facebook, vous m'écrivez. Et puis les gombos, là, ça vient comme ça. Si ils ont gombo, on va t'appeler. Tranquille. Aïe, non, on ne refuse pas un gombo. Je vais dans toutes les cérémonies. Je joue dans tout. Mariage, baptême, anniversaire, funérailles, levée de corps. Non, souvent, j'ai joué dans levée de corps. Hein. Levée de corps. Où tu joues et puis le cadavre même, il te regarde, il sourit. Ah! Même dans les funérailles, même, bon, les funérailles, ça nous rapporte beaucoup parce que dans les funérailles, les gens, ils sont tristes. Quand tu vas mettre de la joie dans leur cœur, ils te donnent souvent les travaillements, ça ne manque pas. Tu vois, non, voilà. C'est bon, quoi, c'est bon. Voilà, sans oublier, on joue dans tout. 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 Même dans le divorce. Parce que si les gars se marient, puis ils nous appellent pour jouer. S'il veut divorcer, il doit nous appeler aussi pour qu'on joue. Parce que vous avez scellé leur union aussi. Voilà, parce qu'on a été là quand ils faisaient leur union. Avec Yoda Le Bon, vraiment, nous avons pris du plaisir. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir. Et à la prochaine. Voilà, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de laisser votre commentaire. À la prochaine. Bonjour à tous à Batramogo, bienvenue sur Ivoire TV 5. Aujourd'hui nous accueillons une grande vraie animatrice qui vient de Yopougon, quartier où on vole les gens. Accueillez Miss Ariane.